Dmitri Ovtcharov sur le haut de l'écran, Kalinikos Kreanga sur le bas de l'écran pour le coup d'envoi de cette deuxième demi-finale de Super Coupe d'Europe de tennis de table. Le premier point dans cette rencontre en groupe B. C'est une qui s'est imposée hier contre tout le monde et notamment contre Vladimir Samsonov. Voilà, superbe. Désormais, il mène 4-2, Dmitri Ovtcharov. Vous avez vu le revers encore une fois. Super bataille ici avec l'équipe d'Allemagne en homme, avec Timo Boll et Christian Schuss aux Jeux Olympiques d'été de Pékin en 2008. Première confrontation entre Timo Boll et Vladimir Samsonov. À l'instant, à la poussette là-dessus et c'est Ovtcharov au service. Avec un service coupé. Non, Ovtcharov. Oh, superbe. Oh, quel retour, quelle remise en revers. Allez, deux balles de 7. Kalinikos Kreanga au service. Oh, quel revers, quel... Le jeu de contre-attaque. Le contre-attaque. 10-10. Et désormais, c'est une balle de 7. Alors, on se partout. Un très bon service. C'est Kreanga qui est au service. Et c'est encore sur son revers qu'il fait la différence. Bien sûr, il est plus jeune que son adversaire. C'est l'expérience contre la jeunesse. Voilà, c'est fait. Dmitri Ovtcharov qui s'adjuge la première manche sur le score de 15 à 13. C'est le grec sur le haut de l'écran qui est au service. Et qui marque d'ailleurs ce premier point. Du revers, il est... Oh, du revers, il est... Oh, 6-0. Attention, on a vu tout à l'heure Vladimir Samsonov revenir de manière inexorable sur Timo Boll tout à l'heure lors de la première demi-finale, même si c'est l'Allemand qui a remporté le match. On a vu... chose similaire. Ah, il est vraiment pas dedans, Ovtcharov. Il ne sait pas quoi faire. Il ne trouve pas les solutions. Oh, quel superbe remise là en coup droit de... La première est effacée. Voilà, celle-ci n'est pas la bonne. Et ça fait un set partout. Et le premier point emporté par l'Allemand dans ce troisième set. Superbe.
C'est dans le filet. Partout pour le moment. Tcharaf qui s'excuse, cette balle qui vient toucher l'angle de la table. Un des tournois les plus prisés par les pongistes européens, tout simplement parce que le prize money est le plus conséquent du vieux continent. 120 000 dollars US de prize money, dont oh, énorme, énorme, superbe échange là entre les deux. Allez, une balle de match. Pas de match, hein, pardonnez-moi, balle de set. Oui, voilà, c'est fait. Avec ce nouveau set remporté par Dmitri Ovtcharov, il mène désormais sur le score de 2 manches à 1. 5-11 en faveur de Krenga dans le deuxième et 11-7 ensuite en faveur de Ovtcharov dans le troisième set. Voilà, premier point marqué par Krenga. Puissance de rapidité à sa balle. Oh, quelle attaque surpuissante! Oh, elle est partie exactement comme sur le deuxième set. Ça peut être expéditif également. Voilà, la réponse, il décide tout de suite de se remettre dans le bain. Voilà, ça fonctionne pour Ovtcharov. Ouais, c'est pour ça qu'il fonctionne bien. Hein. Non, mais quand c'est revers contre revers. Quelle défense d'Ovtcharov. Il finit par craquer l'Allemand. Parce qu'il était vraiment très très agressif dans le bon sens du terme ici Krenga. Il a fait courir son adversaire. 6-4 pour Ovtcharov qui est au service. Oh, jeu de contre-initiative une nouvelle fois de Krenga. Ça ne paye pas. Pour lui, attention, attention. Oh. 9-6. Oh. Il y a des échanges à 3-4 mètres de la table, mais c'était tout aussi technique. En revanche, là, c'était spectaculaire, impressionnant. Une première balle de set sauvée par Krenga. Défense. Donc Krenga, ils sont chauds. Voilà. Il conclut encore un set pour Dmitri Ovtcharov et c'est la finale contre Timo Boll. Mais bon, ce n'est pas fini bien sûr. Place donc à 7 5e manche. Kalinikos Krenga en loupant comme ça des services. Ah, il en sourit. Mais c'est dehors pour Ovtcharov. Et c'est Ovtcharov qui est au service. Il a utilisé une technique particulière. Dans c'est reparti pour cette cinquième manche, 6-5 pour Ovtcharov.
Et voilà, ça fonctionne. Une place en finale qui se joue là. Une place en finale et au minimum 25 000 euros hein, également, puisqu'on sait que le finaliste aura 25 000 euros et le vainqueur 50 000 euros. Enfin, euros, des dollars, bien sûr, prendre en compte la conversion, mais. Même 4 points d'une place en finale. Ouais. Ouais, il met toujours énormément d'effet dans son service, Dmitri Ovtcharov. Ça... Balle de match en faveur de Dmitri Ovtcharov. Et c'est terminé, Dmitri Ovtcharov qui s'impose sur le score de 4-7 à 1.